أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères et sœurs. Je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner un grand secret. Ce secret, je le donne simplement à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi pour ne pas que les musulmans ont pas voir les mauvaises choses qu'on commet des péchés. Parce que tu veux ou pas, tu vas pas rester ici. Tu veux ou pas, tu vas pas rester ici. Nous tous, on va mourir un jour. Donc, on sera jugé de nos actes qu'on a fait ici. Tout ce qu'on a fait ici, Dieu va nous juger. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous guide dans le droit chemin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, c'est secret, c'est tout simplement, même si n'importe quel problème, on peut le pratiquer. Mais c'est spécialement pour augmenter ton niveau. Et par exemple, il y a quelqu'un, il n'arrive pas à garder 100 000 francs CFA ou bien 500 euros comme ça. Quelqu'un, pour augmenter ton niveau, celui qui n'arrive pas à avoir 100 000 francs CFA, que tu puisses avoir des millions de francs CFA. Bismillah subhanahu wa ta'ala, birahmat bismillah rahman rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ou bien une femme qui n'arrive pas à se marier, qui n'arrive même pas à se marier. Tout est semblable, toutes les générations sont mariées sauf toi. Pour avoir un mariage, vous pouvez pratiquer ce secret. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, tout simplement, même les commerçants peuvent le faire. Les artistes qui veulent être connus, il y a des artistes qui ne sont pas connus partout. Que ce soit n'importe quel travail que tu fais, même si tu ne fais pas de travail, pour augmenter ton niveau. Vous pouvez pratiquer ces secrets. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tout simplement, vous allez écrire d'abord Sourate Al-Najm. Vous allez écrire Sourate Al-Najm 3 fois seulement. Après avoir écrit Sourate Al-Najm 3 fois, maintenant vous allez écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 12 000 fois. Ces secrets, c'est le secret caché des marabouts. J'ai décidé juste pour le donner. Sinon, c'est le secret que les marabouts. Il travaille, il se nourrit avec. Ouais. Quand tu parles le voir, tu parles le marabout, c'est les écritures comme ça on fait pour te donner. Arriver à 12 000 fois, c'est exactement direct. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, tout simplement, comme je vous ai dit, pour ne pas que les musulmans font de mauvaises choses, pour nous guider toujours dans le droit chemin, que Dieu nous guide tous. Alhamdulillah, comme je vous ai dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, vous allez l'écrire 12 000 fois. Je vous ai dit d'écrire Sourate Al-Najm. Sourate Al-Najm, c'est dans 53e sourate dans le Coran al-Karim. Vous allez l'écrire 3 fois. Après 3 fois, il y a 62 ayats. Après 3 fois, vous allez écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 12 000 fois. Après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 12 000 fois, vous allez écrire Rabbana Atina min ladunka rahmatan. Vous allez écrire ça 55 fois. Vous allez écrire ça 55 fois. Maintenant, vous allez obtenir les nasila. Vous allez vous laver avec pendant 41 jours. Vous n'avez pas besoin de faire zikr, ni de mettre, comment dirais-je, des plantes. Non, tout simplement, vous allez vous laver avec pendant 41 jours. Même si vous êtes envoûté, ou bien les mauvais oeils, ou bien les mauvaises personnes, les envoûtements pour vous protéger contre tout ça là, pour dépasser vos ennemis. Là où ils ne voulaient pas que tu ailles, là-bas tu vas les avoir, Inch'Allah. Je vous demande juste de le pratiquer. Essayez voir. Vous allez voir des miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est secret, ça n'y a pas de test même à faire. Tu le fais, tu vois des résultats. Oui, c'est un secret qui a été testé. Donc je ne vais pas, même pas faire de commentaires. Je vous demande juste de le pratiquer. Vous allez avoir la puissance de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est Ismul A'zamul Kabir. Voilà pourquoi
prophète nous a dit tellement que Bismillah Rahman Rahim a beaucoup d'importance. Prophète nous a dit de les mettre dans chaque aya. Il faut rien faire dans ce monde-là sans dire Bismillah Rahman Rahim. Il faut rien faire sans dire Bismillah Rahman Rahim. Ablutions, si tu sors, n'importe quelle chose que tu fais, dis Bismillah Rahman Rahim. Vous avez vu dans le Coran, Suleiman, il a dit Wa innahu min Suleiman, wa innahu Bismillah Rahman Rahim. Le moment qu'il voulait guider Balkhis dans le droit chemin, c'est ce qu'il a écrit sur une lettre. Il y a aussi le secret de ça. Les marabouts, ils connaissent, s'ils écrivent quelque chose sur une lettre, si tu les insultes, ils peuvent te faire du mal depuis loin. Donc, pour faire de mauvaises choses, c'est pas bon, on ne va même pas dire ses secrets. Donc, Bismillah Rahman Rahim, ça a beaucoup de puissance. Beaucoup, beaucoup de puissance. Pour découvrir ça, écris les 12 000 fois. C'est lui qui écrit même ça pour vous. Avant qu'il finisse d'écrire, même lui-même, il va remarquer quelque chose, c'est lui. Même celui qui écrit d'abord, lui-même, il va avoir l'ouverture. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Que Dieu met la baraka, tous ceux qui pratiquent ses secrets.